yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog, je suis rôti. Victoire hier à l'Open de Caen contre Maxime Chazal, 6-4, 6-7, 6-4 en 3 heures. J'ai gagné 6-3 au tie-break, 3 balles de match de suite, je ne les fais pas. Au troisième set, je perds 2-0, il sert 45. Je remonte, je m'en sors 6-4, c'était très très dur, physiquement chaud, il fait très très chaud ici. Aujourd'hui, match contre Richard Gasquet à 5h30. Échauffement avec Monsieur Victor Agostini qui arrive sur le court. Il est 10h. Échauffement 3 quarts d'heure. Et ensuite, je vais aller me faire masser chez le kiné, plus bain froid à Colombelle. Ensuite, je retourne chez moi, je mange, petite sieste. Et ensuite, je reviens ici, je tape à 17h, un quart d'heure pour me réchauffer juste avant le match. Et puis voilà, là j'ai eu des petites crampes hier pendant le match. Au quadrille gauche, 4-5 fois, ça s'est contracté, c'est resté en contraction pendant 5-6-7 secondes. Je sais pas comment je m'en sors en vrai. Et j'ai une bonne contracture dans le dos, à droite, là au dorsal. Donc voilà, j'espère que ça va le faire ce soir, que je vais pouvoir défendre mes chances à 100%. Parce que contre Gasquet, bon, vous le connaissez par cœur, hein, gros revers. Mais il y a de l'échange, il joue quoi, donc ça c'est bien. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, on filme tout ça, à tout de suite. J'ai mal au quadrille droit. Tu crampes souvent des quadrilles toi? Non, jamais. Non, là, mollet ischio, tu crampes? Non. On a 6 quadrilles du coup? Ouais. Non, ça va. Bon, voilà la dégaine de ouf que j'ai. Petite botte, parce que mes pieds ne supportent pas le froid. Trop mal. Donc là, bain froid, elle est à 9 degrés normalement. C'est un effet antalgique et antidouleur, donc parfait pour ce que j'ai. Allez, c'est parti, j'ai pas hâte du tout, il fait très très froid dehors. J'ai pas hâte, là je... voilà, je suis en PLS. Allez, c'est parti. Elle est là. 9 degrés. Ah, ça fait mal. Ah, je prends le top blanc. Ah, putain, ça fait mal. Les massages, les bains froids et tout. C'est de mieux en mieux, mais quelques séquelles quand même, d'hier. Je le sens. Va falloir faire avec. Bon, les Breakers, match en 15 minutes. On refait sur grip. Je me suis échauffé là 10 minutes avec Clément, Ténénos. Donc voilà, bon, Richard, je l'ai tellement vu jouer deux fois à la télé que je sais exactement comment il joue. On va essayer d'aller chercher plutôt coup droit. Même si je sais qu'en revers, il la lâche pas tout le temps, bien sûr, le long de la ligne et plutôt diagonale, assez lifté, bombé. On va quand même aller chercher coup droit, même si je veux quand même aller revers aussi. Dans tous les cas, il faut que je trouve la bonne balle pour essayer de me décaler et envoyer du lourd, comme contre Goffin l'année dernière. C'est un joueur qui est bien sûr plus fort que moi. Et si je joue mon jeu, je vais perdre. Donc essayer de taper très fort en coup droit dès que je peux, comme l'année dernière, contre Goffin. Et peut-être que là, j'ai une chance de gagner. Voilà, voilà la tactique à mettre en place. Après, on va voir. Physiquement, je ne suis pas du tout à 100%. Je suis un peu diminué clairement. Contracture au dos, les jambes sont lourdes, donc ça, c'est chiant. On va essayer de se bien boire, voilà, bien s'hydrater. Et puis, on finit tout ça tout de suite. Je suis Richard, let's get it.
Allez, c'est parti, deuxième tour contre Gasquet à l'Open de Caen. Premier jeu de service pour moi, 30-0. Donc là, forcément, état d'esprit, bien, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein. C'est quand même Richard Gasquet en face. Et c'est exactement ça qu'il ne faut pas se dire, en fait, c'est que c'est Gasquet. Et c'est important pour moi de prendre des jeux dès le début pour la confiance. Alors là, je viens de me fabriquer d'entrée. Donc tout ce que je voulais pas. Mais allez, c'est plus Gasquet d'avant. Il joue toujours, bien sûr, très très bien. Il est plus fort que moi. Mais comme à chaque fois à l'Open de Caen, je joue des joueurs qui sont plus forts que moi. Il faut que je joue mon meilleur niveau. Voilà, très beau coup droit là. Allez. Voilà, allez, faut y aller. Pas de barrière psychologique, pas de barrière tennistique. Dommage, j'avais fait deux coups gagnants dans ce jeu. Et ça commence à se mettre en place. Il faut pas trop que je cours. Faut pas oublier que je suis bien émoussé physiquement du match d'hier qui a duré 3 heures hein, contre Maxime Chazal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le vlog. C'était un très beau match si vous ne l'avez pas vu. Et donc là, physiquement, j'ai beaucoup de mal. Je suis essoufflé. Il fait très très chaud dans la salle. Donc faut pas trop que je cours. Et là, je subis un petit peu. On voit que c'est moi qui cours un peu plus que lui. Allez, 4-0, ça part pas très bien. Allez, vite se relâcher. Pour mettre un jeu rapidement. Allez, 4-1. On a beau dire hein, que Gasquet a un énorme revers et qu'en coup droit, c'est plus faible. Quand on dit revers faible pour Gasquet, c'est quand même top 50 ATP très facile. Donc voilà. Donc finalement, on sait même pas trop où jouer. Parce qu'en coup droit, il a un super coup droit. Et en revers, c'est vrai qu'elle gicle énormément. Il trouve des angles incroyables, notamment en court croisé, et il te fait courir. Service toujours un peu slicé, ça je le savais. Mais il trouve de très bonnes zones, notamment le service OT à avantage. Allez, très bien, sa prise de balle tôt, on surprend l'adversaire. Nickel, allez, va falloir en faire beaucoup plus de points comme ça. Sinon, je vais prendre 6-2. Va falloir aller dans sa zone qui n'est pas une zone de confort, comme je fais d'ailleurs depuis un mois. Je le fais très très bien, et là, il va falloir le faire encore plus sur Richard, mais contre un joueur qui joue encore mieux, où la balle gicle encore plus, et où c'est moins évident. Allez, 6-3 pour lui, j'avais réussi à débreaker sur son jeu de service. J'aurais pu faire 5-4, que je servais à 5-3. Allez, deuxième set, encore plus agressif. C'est obligatoire. Et là, il m'emmène loin en revers. Parfait. Il m'excentre énormément en revers. Et en coup droit aussi, hein. En coup droit finalement, il trouve des zones aussi court croisées avec beaucoup de lift. Allez, je suis loin de ma ligne, là. Rapproche-toi. Voilà, allez. Ça, c'est très bien, ça. Il va falloir réitérer, refaire ce genre de coup. Allez, reviens. Rapproche-toi de ta ligne. Non, coup droit, il envoie quand même bien. Hein. Allez, passing. Dommage, là, c'était une balle de débreak. Ça. Ouais, c'est un peu court. J'ai du mal à lire où va aller son coup droit. Je trouve qu'il est vachement masqué.
Allez. C'est ce genre de coup, je dois taper plus fort là, sûr. Un peu trop neutre, allez. Pas mal ça, allez. Voilà, quel revers là, le contre de Gasquet est monstrueux. Croisé incroyable. Top, mais je dois y aller avant quand même. J'ai des occasions pour taper plus fort, pour être dangereux. Et là pour le coup, je le fais pas. Monsieur Quentin, allô, mon courage, spectateur de choc. Allez. Ouais, j'ai réussi à débriquer. Quel retour là, qu'est-ce qui est gigue sa balle en revers. Bien profonde, bien longue, ouais. Magnifique, parfait. Bon, j'aurais pas joué mon meilleur niveau sur ce match, c'est dommage parce que c'est sur ce genre de match qu'il faut aller chercher son meilleur niveau. Physiquement émoussé, hein, je... pas mal asphyxié, je mettais 3 points à me remettre d'un point et un peu pour le coup un peu inhibé par l'événement. Ouais, c'est dommage, mais bon voilà, c'est en perdant ce genre de match et en jouant des joueurs comme ça qu'on apprend aussi. Défaite 36-1. Pourtant, j'ai pas mal récupéré quand même. J'ai fait 3 massages, 20 froids, je n'ai pas récupéré tout fait, mais hier c'est quand même match long, 3 heures, crispé un peu. Et Zouda, Richard, Gilles, c'est voilà, c'est trois mousquetaires quoi. C'est, Bon, défaite 6-3-6-1 contre Richard. Dur physiquement pour moi là. J'ai vraiment puisé hier, j'ai pas assez bien récupéré, pas assez rapidement. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait courir? Il envoie des cours croisés en revers, des cours croisés en coup droit, il te fait visiter le cours. Tu cours, en plus il fait chaud dans la salle. Donc je faisais un point, j'ai 3 points à me remettre, asphyxié, les muscles brûlés, vous connaissez cette sensation j'imagine par cœur aussi. Donc voilà, j'étais là-dedans. Donc du coup j'avais un peu peur de mettre zéro jeu, puisque dès les deux premiers jeux, je sentais que ça allait être très compliqué. Limite à la fin, je voyais un peu trouble, tellement que j'avais pas le temps d'assez de souffler, de récupérer entre les points. Donc bref, donc voilà, content d'avoir déjà gagné hier contre Maxime Chazal. Content d'avoir pu rejouer contre Gasquet, c'est quand même un monument, une légende du tennis français et mondial bien évidemment, parce qu'il a été top 10. Et donc content d'avoir pu essayer de jouer contre lui, nouvelle expérience, c'est top. Je suis courbaturé de partout, donc là, repos. Demain, je pars dans le sud de la France. Mercredi, à Cannes, j'ai un petit truc avec Technifibre et Daniil Medvedev, dans un club à Cannes, il me semble. On va filmer tout ça, on fera un vlog, bien sûr, avec Baptiste. Et puis voilà, entraînement, période foncière, et en janvier, on débute les Challengers à Lisbonne, normalement, deux de suite, normalement. Voilà, les Breakers, merci d'avoir suivi cette fête de camp, c'était top. Temps du titre, malheureusement, j'ai pas pu défendre ce titre, mais content de mes résultats, voilà, c'était sympa, super ambiance, merci à la fête de camp d'avoir invité d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas aussi, les Breakers, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important, si vous voulez voir cette saison 2023 que je sens. Mais je la sens bien cette saison. Donc abonnez-vous en cliquant sur le petit s'abonner. Salut tout le monde.